Je suis Mao Kouanani et aujourd'hui dans Lundi Inspiré, je nous exhorte à ne jamais nous retirer lorsque l'Esprit de Dieu nous convainc de pécher. Un jour, une femme a été surprise en plein adultère et la Bible dit que les scribes et les pharisiens l'ont amenée au Seigneur Jésus-Christ et ont demandé au Seigneur Jésus qu'est-ce qu'on devrait faire à cette femme. La loi de Moïse nous impose de lapider de telles femmes. La Bible rapporte que le Seigneur Jésus-Christ leur a dit que celui d'entre vous qui n'a jamais péché jette la première pierre. Et s'étant abaissé de nouveau, le Seigneur Jésus-Christ commença à écrire sur le sol le péché de chacun d'eux. Lorsque vous lisez Jean, le chapitre 8, le verset 9, la Bible dit que quand ils entendirent cela, accusés par leur propre conscience, ils se retirèrent un à un, des plus vieux jusqu'au dernier. Je crois profondément que la pire erreur que quelqu'un puisse faire lorsqu'il est convaincu de péché, lorsque l'Esprit de Dieu le convainc qu'il est sur une mauvaise voie, c'est de s'éloigner du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi s'éloigner si le Seigneur Jésus-Christ est venu justement nous délivrer de nos péchés? La pire erreur que tu puisses faire, mon frère, la pire erreur que tu puisses faire, ma sœur, c'est de t'éloigner du Seigneur Jésus-Christ lorsque tu es convaincu que la mauvaise voie sur laquelle tu t'es engagé t'amène en enfer. La meilleure chose à faire, la meilleure des choses, frères et sœurs, c'est de revenir à Dieu, de prendre la décision de venir au Seigneur Jésus-Christ qui ne va pas te rejeter de la même manière qu'il n'avait pas rejeté la femme adultère. Il va t'accueillir et si tu décides vraiment de te confier à lui, il te donne la capacité de sortir du bourbier de péché dans lequel tu t'étais englouti. La meilleure des choses à faire, mon frère, ma soeur, c'est de revenir à Dieu, c'est de ne pas t'éloigner, c'est de ne pas te retirer quand tu es convaincu de péché, quand ta conscience te dit que ce que tu es en train de faire n'est pas bien. La pire des choses, c'est de fuir. La pire des choses, c'est de s'éloigner parce que là, le jugement de Dieu tombera à coup sûr sur toi. Je t'invite, mon frère, ma soeur, je t'exhorte et je t'encourage à prendre une décision aujourd'hui. Alors que tu es en train d'écouter cette vidéo, l'Esprit de Dieu est en train de te parler et te convainc que tu es sur une mauvaise voie. Prends la meilleure des décisions et reviens à Dieu. C'est aujourd'hui le jour de salut pour toi. Qu'il en soit ainsi pour quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ, amen. Bye bye.